qui connaissent, mais je suis Daniel Jacob, conseiller municipal du groupe UDI. Je m'excuse, monsieur Jossin qui est en vacances, donc comme beaucoup d'entre nous, c'est peut-être pour ça que les chaises sont vides, mais vous n'avez peut-être pas bien choisi la date de votre réunion. Mais par contre, pour vous dire deux choses, je vais être beaucoup plus court que notre ami Alain. Deux choses. La première, c'est que, effectivement, ce problème de circulation et de transit sur notre secteur sud posait un problème depuis déjà plusieurs années. Et quand on nous a présenté au conseil municipal cette délibération pour voter ce budget qui a permis à une entreprise privée spécialisée d'étudier et de résoudre peut-être ce problème récurrent, nous, groupe UDI, on a voté oui. Ensuite, bon, je ne vais pas faire le film, il s'est passé qu'effectivement il n'y a pas eu trop de concertation et qu'il n'y a pas eu éventuellement de solution adaptée à, je dirais, à cette situation et au problème des zones désirées. Donc, pour être concret, je pense qu'il faut être dans l'opposition, enfin nous en tout cas l'UDI on y est, on est dans l'opposition constructive. Ce qui veut dire que ce n'est pas le tout de faire des constats, on en a fait. Maintenant, il a l'air d'être négatif et effectivement, quand on voit le résultat de ce comptage, effectivement, ça ne correspond pas très bien, je dirais, à celui que vous avez évoqué à des réunions de concertation. Donc, moi, je suis partant pour qu'on puisse se réunir avec certains Zonésiens qui souhaitent améliorer leur quotidien sur ce transport. Sur ce transport du secteur sud et particulièrement pour éviter ce transit, de se mettre autour d'une table et de faire des propositions, je dirais, au conseil municipal, puisque de toute manière, je pense qu'il y aura une délibération qui se fera certainement après les vacances pour effectivement concrétiser ce projet de B qui a l'air d'être un projet. Qui n'est pas figé, comme disait M. Hernandez, hein, qui est encore à élaborer par rapport à certaines concertations qu'on peut avoir des Zonésiens. Mais bon, à force de faire des consultations, des concertations, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui y participe, bon, bah, ils sont là pour acter et puis pour, je dirais, confirmer ce qu'ils veulent. Donc voilà, moi je vous propose éventuellement de participer et avant le mois de septembre, de faire quelques réunions de propositions. On en a tous dans la tête par rapport à notre quartier et ce qui est important c'est de justement évoquer toutes ces petites idées qu'on a et de trouver un projet qui est constructif. Voilà. Après, on fait cette proposition au conseil municipal et on verra bien la réaction de l'ensemble des conseillers municipaux. Quoi, hein. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux vous proposer ce soir, en tout cas pour le groupe UDI. Merci.